giờ chia tay lần cuối gượng cười, mà nghe tim đớn đau xa rời. Francis Mosman, un acteur néo-zélandais connu pour ses rôles dans des séries télévisées comme Spartacus et The Horizon, est décédé le 14 août 2021 à Sydney, en Australie. Il avait 33 ans. La mort de Mosman a été confirmée dans un post GoFundMe mis en place par ses frères, Laurence et Jérémy Mosman, afin de collecter des fonds pour le rapatriement de Mosman et les frais funéraires. La cause du décès n'a pas été révélée. Une triste perte, c'est avec le ses droits d'auteur lourd et beaucoup de tristesse que nous avons appris. Mosman était très respecté au sein de la communauté des acteurs et avait trouvé à Sydney une communauté familiale solidaire et attachante. Il était très énergétique, et son deep heart laisse une immense tristesse auprès des personnes qui l'ont connu. Il avait une belle carrière selon sa page IMDb. Mosman a commencé à jouer en 2006 dans le feuilleton néo-zélandais Shortland Script. Il est apparu dans un épisode où il incarnait le personnage de Taylor. Il a ensuite joué dans la série télévisée The Amazing Extraordinary Friends en Nouvelle-Zélande en 2008, ainsi que dans le film The Richmond Family Massacre en 2009. Mosman est certainement plus connu pour son rôle dans la série Spartacus, où il incarne Vitus. Il est apparu dans 4 épisodes au total, dont 3 non crédits. De 2013 à 2017, Mosman a tenu un rôle principal dans la web-série australienne The Horizon dans le rôle de Steve Hughes. Le dernier rôle crédit de Mosman était dans le court-métrage D-Connect de 2020, dans le rôle de Link. Xena, la guerrière, aperçue de Lucy Lawless après la série, les plus anciens la connaissent forcément. Lucy Lawless est l'actrice principale de Xena, la guerrière qui aura marqué sa génération de plusieurs manières. Des années après l'arrêt de la série, découvrez ce qu'elle devient. Lucy Lawless, Xena, la guerrière. Photo. J'ai-t-il image ne manquez plus rien en vous abonnant à Mo Mama sur Google News.